3, 2, 1, go! Hello, hello! On se retrouve pour une petite vidéo haul et cette fois-ci, c'est un haul action. Je ne fais pas ce haul dans le but de donner envie ou de me vanter de ce que j'achète, mais tout simplement. J'espère qu'en France, vos rayons seront bientôt rouverts. De toute manière, ils devront écouler les marchandises, comme on m'a dit ici en Belgique. Donc logiquement, en fait, tout ce que nous avons ici en Belgique, à la réouverture chez vous, vous êtes censé l'avoir. Voilà, petite parenthèse faite. Je préfère le dire avant d'avoir trop de commentaires pas toujours très sympathiques. Petite parenthèse fermée, j'ai donc été chez Action. Alors, j'ai trouvé quelques belles nouveautés scrap, je suis contente, mais je n'ai pas acheté que du scrap. Alors, il y a un des articles, je ne sais pas vous le filmer là parce que c'est trop grand, mais comment dire, j'ai acheté un nouveau panier pour mon chien. Donc pour un grand chien, ils sont vraiment vraiment pas chers. Il y a des petits pieds en dessous, donc c'est les paniers en plastique dans lesquels après vous mettez une couverture ou un coussin ou ce que vous voulez. Mais bon, le tout premier qui vient d'une animalerie, je l'ai payé, ça coûte environ 60 €. Ici, il m'a coûté 6,99 €, 6,99 €. J'ai acheté un petit plaid en plus pour mettre dedans et c'est nickel. Donc, bon, vous le savez, j'ai une femelle Rottweiler, donc voilà, maintenant vous pouvez le prendre pour un plus petit chien. Je voulais le tester, voir si ça allait et tout va super, donc j'espère qu'il y en aura encore et je pense que je lui en rachèterai un comme ça également pour la scrap room. Parce que oui, ma chérie a son panier en bas, c'est normal, dans notre chambre, voilà, au moins elle ne dort pas dans le lit. Mais le petit oui, hein. Mais bon, parenthèse fermée aussi. Et elle a évidemment sa place dans ma scrap. Donc voilà, j'arrête mon blabla, mais 6,99 € pour le panier et j'ai payé 5 € pour le petit plaid. Je vous insérerai une photo et vous pourrez vous rendre compte du rendu. Donc si vous êtes à la recherche d'un panier pour chien, foncez chez Action, en tout cas ici en Belgique, ou à la réouverture en France, ils sont top. Alors, pas scrap, et ce ne sera vraiment pas pour le scrap cette fois-ci, j'ai trouvé cette très belle boîte à thé. Donc elle est en bois là, ici elle est blanche. Il y avait les mêmes avec le contour noir au lieu de blanc, et il y en avait tout à fait couleur bois, comme ceci. Vous avez 9 emplacements. Et voilà. Mon beau-fils est dingue de thé. Elle coûte 3,99 €. Donc, allez, on va autant dire 4 €. Mon beau-fils est dingue de thé. Et donc, je me retrouve avec des boîtes de thé à moitié éventrées partout dans l'armoire. Donc, ceci, ce sera beaucoup plus propre. Alors, vous voyez le contenant. J'ai racheté une boîte de rangement à couvercle. Je ne sais pas si vous la voyez bien parce que voilà, oui, vous la voyez. Je l'ai payé 2,59 €. Voilà, voilà, voilà. Alors, le plaid, pardon, pour le panier, c'était 5,79 €, donc 5,80 €. À part ça, pas scrap, j'ai racheté un câble comme ceci pour les téléphones portables à 1,59 €, et c'est, il fait 2,50 m et c'est un type C. Voilà. Et j'ai encore un article qui n'est pas scrap. Ils ont rentré, c'est pour homme, mais bon, moi j'aime bien. Ma chérie et moi, on a acheté le même, donc j'en ai acheté deux. J'ai trouvé ces petits bracelets. C'était aux alentours de 1 € ou 2 €, je sais plus. Je vais voir si je vous trouve le prix. C'est 1,49 €. Voilà. Et en fait, vous avez 1, 2, 3, 4, c'est 5 bracelets différents. Je vous montre l'arrière. Voilà, il y avait plein d'autres modèles avec d'autres couleurs. Il y avait également des bracelets en cuir avec fermoir. Mais bon, voilà. Nous, on a craqué sur celui-là. Alors, je vais vous montrer évidemment les nouveautés en dernier. Hein. Oui, je sais, je suis pas gentille. La boîte à thé, je vous en ai parlé. Elles sont mes perles. Donc, en fait, j'ai acheté ceci. Avec les dernières, on arrivait quand même à faire des perles. Donc, je me suis dit, je vais les prendre. Voilà,
99 centimes et vous avez 6 pots. Il y a 3 pailletés dans le bas et voilà, il y a 3 coloris différents, mais honnêtement, les autres couleurs, c'était beaucoup trop sponge, hein, avec mon mot que j'utilise bien à la belge, donc beaucoup trop flashy. Donc moi, je n'ai pris que celui-ci. Je vais tester. Ah ben non, j'ai oublié des choses qui ne sont pas scrap. On a un diffuseur d'huile et donc on a acheté ces deux huiles essentielles. Je vais casser les bouteilles, ça ne va pas le faire. Donc on a pris pomme verte et l'autre c'est paradise. Je ne sais pas trop ce que c'est. Et est-ce que je vais vous trouver rapidement le prix? Oui, c'est 99 centimes la petite bouteille, mais vous avez 50 millilitres. Donc moi je ne les ai jamais testées. Si vous avez testé, si elles sont bien, si... n'hésitez pas à me laisser un petit message. Ensuite... moi, je ne les ai jamais vus, ces modèles-ci. Donc, ce sont des blocs de coloriage, normalement. Mais moi, je détoure pas mal de choses qu'il y a là-dedans. Soit pour faire du mix média, soit pour faire du art journal. Bon, j'en ai plus fait depuis longtemps, mais voilà. Je vous montre quelques dessins. Voilà. J'ai pris deux modèles. Je crois qu'il y a aussi 4 ou 5 modèles différents. Mais bon, les autres me plaisaient moins. C'était plus vraiment coloriage, coloriage. Mais si, regardez, si vous passez à l'aquarelle, ça fait même un fond de carte magnifique. J'aime beaucoup, moi, utiliser ces petits blocs. Il est tout mimi. Ça rappelle les tampons qu'on a eus. Attendez. Le cerf. Il ressemble très fort à l'autre, là, que je vous ai montré pour vous dire de faire un fond de carte. Un petit pimpin. Je sais pas, c'est une marmotte, c'est un truc qui ressemble à ça en tout cas. Et voilà. Et donc vous avez des dessins en double. Donc on retourne sur les premiers motifs. Je vous montre l'arrière. Comme ça vous avez un résumé des motifs. Le papier est vraiment du gros papier. Donc voilà. Water paint. Le papier est aquarellable. Comme, voilà. Donc ça. C'est pas mal, j'ai pris celui-là et j'ai pris celui-ci. Je ne sais plus si je vous ai dit le prix, c'est 1,29€. Et vous avez 24 feuilles, donc 12 modèles. Alors, le papier est épais, j'ai du mal à le tourner. Regardez, la machine à coudre, j'aime bien. Une vieille machine à écrire. Pareil photo. Wow. Une belle chouette. Et là, je pense qu'on est arrivé au milieu. Donc, là, je vous montre l'arrière. Oups, peut-être pas trop près. Voilà. Ça, vous voyez tous les modèles. Et maintenant, ce sont des nouveautés. Alors, première nouveauté, c'est petit pot avec ces espèces de flocons de foil. C'est génial pour rajouter sur des créas. Alors, le petit pot coûte 89 centimes et logiquement, il y a 3 couleurs. Où je suis dégoûtée, c'est que la couleur or qui m'intéressait le plus, bien, il n'y en avait plus. J'ai vraiment eu les deux derniers pots. Donc ici, j'ai l'argenté. Ici, c'est une espèce de rosé, enfin gold. Voilà. J'espère que je trouverai le doré parce que il y a 2 grammes dedans, mais sincèrement, c'est tellement fin et vous devez en mettre tellement peu pour faire l'effet doré que on est parti je ne sais pas combien d'années avec ce genre de choses. Et je suis en train de vous chercher le prix. C'est pas ça. Voilà. Alors,
j'ai trouvé des nouveaux dice. Bon, pour tout vous dire, je ne les ai pas tous pris. Tout simplement parce que les autres, je les ai d'anciennes collections ou d'autres marques. Et que je commence à avoir vraiment beaucoup, beaucoup de dice. Donc, voilà, je n'achète plutôt pour dire d'acheter. Mais ils ont rencontré cette collection-ci à 2,29€ le pochoir. Enfin, le lot de dice. Je pense que j'en ai vu au moins 6, si pas 7 différents. Je ne sais pas s'ils disent combien il y en a en tout. Non. Mais bon, moi, j'en ai pris que 4 parce que bah, les autres... voilà. Donc, vous avez les dice et vous avez chaque fois le petit exemple ici de ce que vous pouvez en faire. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Entre autres, pour ça... Vous allez me dire, la fille, elle achète un truc à 2,29€ pour une bannière qui se plie. Oui, mais voilà. Je sais que ça, je l'utiliserai régulièrement. J'ai pris celui-ci. Donc, vous avez le petit mot « thank you ». Mon petit feuillage. Ici, ça, c'est génial aussi. Pour les tags, c'est vraiment des petits. Et j'aimais beaucoup la forme du tag, en fait. Voilà. Et le dernier, j'ai pris celui-ci, que je trouvais plutôt sympa. Et alors, regardez, pour celles comme moi qui n'ont pas la perfo, qui aiment le vintage pour faire les trous, comme ceci, dans ce sens-là, eh bien, il y a le dice. Donc, voilà le pourquoi du comment j'ai essentiellement pris celui-ci. Donc, oui, ça peut paraître débile pour un petit fanion ou pour un petit truc comme ça, de payer 2,29€, mais en même temps, la perfo pour faire ce genre de choses, vous ne l'aurez pas à 2,29€. Donc, voilà. Et dernière nouveauté, ils ont refait des tampons, des planches de tampons. Alors, je pense sur cette collection-ci qu'il y en a 6. Il y en a un, clairement, que j'ai pas pris parce que c'est des tamponnages de bannière, vous savez, qui tournent un peu comme ça... voilà, celle qui scrape depuis pas mal de temps, Action fait souvent ce type de planche. Donc bon, il y en a peut-être un ou deux mini détails que je n'ai pas. Mais bon, comme je vous ai dit, ce que j'ai, je n'achète pas. Alors, oui, je vous ai dit 79 centimes. Oui, je vous ai dit, je pense. Alors voilà, ici, il y a les petits animaux de la forêt que je trouve vraiment déjà super. Et puis, ce qui m'intéressait aussi fortement, c'est que vous avez une de trois façons différentes avec le message « Happy Birthday ». Donc, c'est plutôt sympa. Donc, ça, c'est le premier. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Alors, oui, j'ai les autres planches d'Action qui sont sorties avec les espèces de cachets estampillés de la poste. Mais ce qui m'a plu ici, c'est que, vous voyez, il n'y a pas spécialement, il n'y a pas de nom de ville ou... Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Et puis, il y a celui-là aussi, tout seul, qui m'intéressait bien. Et celui avec les bannières que je vous disais, vous voyez, c'est toute une planche avec tous des genres de bannières comme ça. Mais au lieu d'être droites, elles sont un peu rondes. Donc voilà, enfin bref, j'ai pris celui-ci. J'ai pris celui-ci, qui est... voilà, c'est fort anniversaire, mais en même temps, vous avez congratulations ou félicitations, vous pouvez l'utiliser pour ce que vous voulez. Et vous avez effectivement encore Happy Birthday, je vous souhaite un joyeux anniversaire et Birthday Wishes, vœux d'anniversaire. Voilà, et puis bah, je trouve que les petits dessins, voilà, quand il faut faire pour une carte un peu plus enfantine, ou en tout cas dans mon cas quelqu'un qui n'aime pas le vintage, j'avoue que ce genre de petit truc un peu plus kawaii, je n'avais pas. Alors ici, on arrive surtout des tamponnages de coins qui sont plutôt sympas. Et vous avez ici, c'est une étiquette. Je la trouve juste waouh. Donc voilà, cette planche-ci, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Est-ce qu'il vous donne des exemples? Bon, il montre juste comment c'est tamponné ici, un ou deux coins. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup celle-ci. Et la dernière... C'est des plantes, mais ce coup-ci, on est plus sur les plantes d'intérieur, pas plantes de jardin. Donc, voilà, je la trouvais plutôt sympa, donc je l'ai prise également. Et bien, écoutez, voilà, j'ai été raisonnable. Avouez que j'ai été raisonnable. J'en suis à la fin de mes achats. Le reste de mes achats, Action, j'avais pas grand-chose en plus, quelques trucs à grignoter.
Oui, des petits bonbons pour les chiens et à la grosse louche, c'est tout. Donc j'ai vraiment été raisonnable. Et bien écoutez, à gauche, à droite, comme d'habitude, mon compte Facebook, Instagram, etc., etc. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner ou à activer la petite cloche si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos. Merci à tous de me suivre, de m'être fidèle. Et bien écoutez, à part ça, je vous fais des scrap bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bisous.